Yo tout le monde, c'est Pred Queen et aujourd'hui on se retrouve sur God of War pour l'épisode 2. Donc la dernière fois, il s'était passé plein de trucs. Je vous invite à aller regarder l'épisode 1. Et du coup, je suis revenu dans ma maison, là où je m'étais arrêté hier, et je pense qu'on va aller faire une petite sieste. Parce que là, il y a mon plumard et à côté, il y a le plumard du gosse. Bon, déjà, on va parler au gosse. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors, vas-y. Tu veux que je te frappe? Je veux que tu essaies. Aïe! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit! Encore! Putain, il va finir dans le feu, ça continue, le pauvre gosse. Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. Oula! Silence. On se fait attaquer ou quoi? Oh, j'ai le téton saillant, je viens que de remarquer. Sors de là! Putain, c'est le facteur, je vais le tuer. Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui oui, c'est? Oui, bah maintenant tu y vas. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Hop, le gosse est protégé. Dis-moi là, ça va saigner. Ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Ah bah ça, tu vas voir. Et on va aller voir. Oh là, c'est quoi ce mec? Il est tout frêle. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Non mais t'es sérieux, mec? Par de chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Ça va être un plaisir. Bah regarde-moi ça, il est... Qu'est-ce que c'est que ce mec là? Il va jamais l'étaler contre moi. Je t'avais prévenu. Allez, tue-le! Boum! Oh bah attends, mais qu'est-ce que c'est que ce pélo? Tu aurais dû écouter. Il s'attaque à une armoire à glace? Non. Il s'attendait à quoi? Non. Tu vas bouffer, mon pote. Attention, c'est qui va reprendre une mandale? À mon tour. Oh la vache! Oh, il cache bien son jeu! Ok, alors là, ça va chier. Raté, mon pote. T'es un demi-dieu, toi aussi? Je suis terriblement déçu. Attends. Allez, amène-toi. Bah vas-y, viens. L'étranger. Ok, c'est parti. Premier combat de boss du jeu. Oula, vache! Oh, il se téléporte! Ça, c'est pas bon. Tiens, oh, waouh, je t'ai envoyé dans un arbre. Il s'est téléporté.
Non, j'ai pas oublié. Mais bon, il faut le temps que... Il est rapide, donc il faut le temps que je m'adapte. Tellement lent. Vas-y, viens, viens, viens. Hey. Oh, 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 il est virulent, cet enculé. Ok, bon, il m'a défoncé. La vache. Bon, ok, là j'avoue c'était chaud. Reprendre au point de contrôle. Il est archi rapide. Donc du coup, il faut vraiment que je pars, je tape, je pars, je tape, je pars. Pathétique. Défonce pas mes arbres. Je m'ennuie. Bah tiens, tu vas pas t'ennuyer longtemps. Allez viens mon pote. Il l'a volé. Tiens, bouffe. Raté. Oh là. Vache. Putain, il m'enlève masse de vie cet enfoiré quand il me touche. Bah vas-y, frappe, qu'est-ce que tu fous, Kratos? Défonce-lui le, bah, le cul, tout simplement. Vas-y, viens. Oh putain, il est encore plus rapide qu'Hermès. Vous avez vu ça? Et vous, il glisse comme un putois. Alors, qu'il est? Putain, il est archi rapide. Il est archi rapide. C'est dans ce genre de moment de combat contre les boss que je commence à regretter d'avoir mis le jeu en mode difficile dès la première partie. Tiens, prends mon pied dans ta gueule. Mais j'appuie sur le bouton pour bloquer, Kratos il bloque pas. En fait, il faut que je fasse un enchaînement. Prêt ou quoi? Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je l'enchaîne, en fait. Dès que j'arrive à le toucher, je l'enchaîne. Vas-y, viens. Non, tu vas te calmer mon pelope, tiens. Ah t'as bouffé là. Là c'est un enchaînement de 5 coups mon pote. Hey, viens. Raté, viens. Raté, tiens, bouffe. Allez, viens. Redégage. Allez, vas-y, viens, viens, viens. Et dégage. Mais on peut jouer à ça longtemps. Oh. Wow. Wow. Oh. Wow. Putain, il m'envoie valser. Ah bon. Oh, on est retourné chez moi. Dis-moi non. Ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Oh. Il y a un truc pourquoi que je peux récupérer pour lui foutre dedans. Il y a deux lits parce qu'on est deux, pauvre con. Tiens, et tiens, et tiens. Oh, j'adore ça. Oh oui, vas-y, mets-lui sur la gueule.
Oh oui. Oh, l'étranger, il prend cher. Il prend cher. Prend cher. Ouf. Ouf. Oh, la vache. Oh, je suis parti loin. Oh, vas-y, prends le rondin. Sensible, on dirait. Ok. Et boum, le pélo. Oh, c'est bon, ça bon. Et tu fais le show, tiens, et fils de Zeus, moi. Boum. Eh, attends. Tu es vieux et lent, tu n'aurais pas dû venir à Midgard. Oh, il serait jeune. Bien. On remet ça? Tu parles trop. Coupe-lui la tête. Coupe. Tiens, voilà. Oh là, qu'est-ce qu'il est rapide. Wouah. Oh bah... Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Rage spartiate. Oh oui, alors là, ça... Ça, je kiffe. Tiens. Allez, encore une autre. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Claque-lui la gueule. Oh, wow. Oh, Kratos, il est chaud. Oh oui. Oh la vache, comment c'est bon. Pure action. Oh. Oh, c'est chaud. Oh, j'adore, je kiffe. Oh, bah là, t'as... Ok, j'ai trouvé des nouveaux coups. Moi, je suis... Oh, la vache, la vache. Kratos, quand il rentre en mode rage, mais comment il est virulent. Ah ouais, l'autre, il faisait le malin parce qu'il était rapide, mais ça y est, Kratos, il s'est vénère. Là, c'est foutu pour lui. Tiens, 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 voilà. Et voilà, je te renvoie encore un petit peu plus loin. Je te la gueule. J'aimerais bien savoir qui c'est quand même ce mec. C'est ce qu'à mon avis, bon, pour qu'il ait des pouvoirs comme ça, ça doit être un demi-dieu aussi, mais du côté nordique. Oh. Bon, j'ai débloqué. Ah. Je n'ai pas le temps pour ça. Oui, bah moi non plus. Bah du coup en fait vu qu'on s'est fait attaquer, oh dégage. Vu qu'on s'est fait attaquer avec le fils, oula. À mon avis on va devoir quitter la maison. De toute façon la maison bientôt elle n'existera plus vu comme on est en train de foutre la merde là. Combat de titan là, sérieux. Eh raté mon pote. C'est vrai que dans les jeux God of War les combats... Oh la vache. Les combats dans les jeux God of War ils ont toujours été très impressionnants. Voilà, éclate-moi cette tarlouse. Voilà, putain, j'ai plus beaucoup de vie par contre là. Là, ça va être chaud les gens, c'est lui ou moi? Eh ben, ça sera moi. Putain. En fait, il est tellement rapide Kratos, il est tellement lent à sortir son bouclier que du coup, son premier coup, il passe quasi 9 fois sur 10. Bon, c'est pas grave, on reprend ici, on lui repète le cul. Rage spartiate. Alors là, bah, par contre, je jure que je te fais fumer ta vie. Vas-y, 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 enchaîne, enchaîne, enchaîne. Enchaîne, Kratos, enchaîne. Oh la vache, la dégâts que je fais. Vas-y, vas-y, enchaîne-le, 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 défonce-le, bourrine-le, fais-lui le cul, boum. Vas-y, 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 bourrine, 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 bourrine. Il faut lui enlever une masse de vie. Le mec, je crois qu'il a jamais pris autant de patates dans la gueule de toute sa vie. Eh, raté, mon pote. Attends, tu permets le chômage. Vas-y, viens. Hop, dégage. Allez, viens, viens. Viens, je suis chaud maintenant. C'est bon, j'ai compris ton pattern maintenant. Moi j'ai compris comment tu joues. Tu recules, tu charges, tu recules, tu recules, tu charges, tu fais un coup de glace. J'ai compris, je vais te péter le... Je n'ai pas le temps pour ça. Bon alors, qu'est-ce que tu fais, fillette? Tiens. Oh oui, il va l'envoyer, boum, dans le mur. Tiens, prends ça le barbu.
Tu te prends pour un viking? Tu veux... Tiens, regarde le viking qui prend. Boum. Demi-dieu grec contre demi-dieu nordique. Allez, dégage. Là, il a pris cher. Oh putain. Ah, il va lui faire tomber sur la gueule, alors ça, c'est encore mieux. Et voilà. Oh merde. J'ai un peu foutu le bordel là. Bon, je l'ai eu du coup, il est mort. En tout cas, Kratos là pour le coup, il est fatigué. Ça faisait longtemps qu'il avait pas eu un combat aussi épique, d'après ce que j'ai compris. Bon, on va retourner voir le gosse, Atreus. Eh ben dis donc, ça c'est un début de vidéo purement épique. J'ai l'impression qu'il est... Ouais, j'allais dire... T'en veux ? Oh la vache ! Ah ouais, mais en fait, le problème avec celui-là, c'est qu'il se régénère. Quand Odin m'a envoyé ici, je ah voilà, Odin. Oui, il a fallu que tu fasses mal. Donc en fait, lui, c'est un dieu nordique. C'est même pas un demi-dieu, c'est un dieu nordique. Ton corps est en relâché. Mais avant que je t'achève, il y a une chose que tu dois savoir. Je ne sens rien. Rien. Il a été envoyé par Odin pour tuer Kratos. Oh la vache! Eh oh! Oh putain, on est vraiment dans le ciel là! Putain, on va. Ah, ça c'est pas bon. Pas bon du tout! Oh! D'accord. Bon bah, remontons. Tu l'as vu de tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Non, tu n'es pas invulnérable, tu te régénères, c'est pas pareil. Tu as perdu d'avance. On aurait pu éviter tout ça. Et là, il va être là. Bingo. Oh là là. Ah bah merci, du coup, je suis du bon côté maintenant. Tu ne peux pas gagner. Je ne sens rien. Mais toi, tu sens tout. Et pourtant, tu continues à Oh, Kratos y régène aussi. Magnifique. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non. Raté. Finissons-en. T'es pas aussi rapide que tu le crois. Putain, il a re-récupéré toute sa vie, l'enculé. Tu peux pas me battre. J'en peux plus de ce mec. Oh, il a une nouvelle attaque, il a une nouvelle attaque. Alors celle-là, je la connais, mais il y a une attaque tourbillon. Oh, raté. Bon, par contre, tu vas te calmer. Tiens. Voilà, c'est ça la nouvelle attaque. Il saute et il atterrit. Tiens, regarde le coup de la hache. Vas-y, viens. Tu vas aller retourner voir Odin et tu vas lui dire que t'as perdu. De toute façon, non, en fait, je vais lui envoyer ta tête. Oh, je l'ai envoyé loin, je crois, là. Ça ne sert à rien. Si, ça sert à tout. Raté, mon pote. Raté, raté, raté. Vas-y, viens, viens. Vas-y, fais le show, viens. Incroyable. T'as réussi à me toucher, alors ça, j'avoue. Bien, wesh. Ouais, par contre, une fois, mais pas deux, mon grand. Ah, vas-y, Kratos, attaque! Tu ne peux pas me battre! Mais si je peux, arrête de raconter de la merde! Ma rage de Spartiate, elle est pas encore remplie. Elle est pas encore remplie! Dommage, parce que je l'aurais bien défoncé, ce pélo. Il va sauter sur ma gueule. Wow. Vas-y, viens. Raté. Vas-y, viens. Viens, je te dis. Et voilà. Et boum. Et voilà, petit enchaînement made in Sparte. Je ne sens rien. Tu vas voir si tu sens rien. J'ai hâte. Je suis sûr et certain qu'il va lui arracher la tête. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et voilà. Allez, hop. Dégage encore. Ah, t'es remonté. Attends, je vais te faire redescendre. Oula, lâche-moi, je te dis. Vas-y, arrache-lui la tête, arrache-lui la tête. Fais quelque chose. Vas-y, arrache.
Vas-y, fais-lui la clé, voilà, voilà, maîtrise-le. En t'affrontant, toi, entre tous, j'aurais fini par sentir quelque chose, mais c'est impossible. Crache-lui la nuque. Et voilà. Est-ce que ça marche vraiment? Il se régène pas cette fois. Allez, dégage. Bon, là, normalement, cette fois, il va pas revenir. Donc, il a parlé d'Odin. Donc, Odin a envoyé ce pélo pour m'affronter. Eh ben, putain, quand je vais monter au Valhalla, tu vas voir, Odin, ce que je vais en faire. Je vais lui péter... le cul. Qui était-ce? Il savait qui j'étais. Ouais. Est-ce qu'il connaissait mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? Mais du coup, ça veut dire que les dieux nordiques, ils côtoyaient alors les dieux grecs. Vu que Odin existe et que Kratos, c'est le fils de Zeus. Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. L'histoire devient de plus en plus intéressante. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Oh, je me régène avec le temps. C'est bien ça. Bon, je rentre à la maison. Je ne sais pas comment y arriver sans toi. Moi, j'aimerais bien déjà savoir, parce que là, il parle en fait à son épouse défunte. Mais j'aimerais bien savoir qui est-elle, et qui était-elle en fait. Mais on ne peut pas rester là. Bah non, on peut pas. Si Odin, si l'autre il nous a trouvés, les autres ils vont nous trouver aussi. Atreus. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Non. T'inquiète, papa il est fort. Je vais bien. Bien. Papa, il est fort, mon fils. Prends tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Tu ne l'es pas. Mais nous n'avons plus le choix. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père. Allons-y. La montagne. L'aventure commence. Long voyage. Les arbres marquent. Oui. C'est terminé. Mais c'est important. Maintenant, c'est le chemin. Qu'est-ce de la montagne. Passé? Oh bah rien. T'inquiète pas, c'était un combat. Un combat qui a mal fini pour Je un certain monsieur. Pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? Oui. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'y ai craqué le cou. Et hop là, sauter comme un cabri. Ne me laisse plus jamais seul, d'accord? D'accord. Il sait pas sauter le gosse? Vas-y, monte sur mon dos, on saute ensemble au pire, non? Oh remarque, si je peux peut-être faire tomber l'arbre. Non? Et comment je fais pour faire passer le morpion, moi? Bon. Ah bah, il a sauté. Ah bah il savait sauter. Bah qu'est-ce qu'il... Non mais attends. Ok, bah oui, bah c'est monte. Bon. T'as déjà Allez, monte sur, avant, monte sur papa. T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les mais animaux, oui, j'ai l'habitude. Je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Ça, c'est vrai.
Putain, le gosse, il fait des sauts de dingue. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps? Oh. Tu veux bien m'aider à monter là-haut? Attends, déjà, je récupère ça. Vas-y, monte. Monte, gamin. Moi, je peux pas monter, j'imagine. C'est lui qui va m'ouvrir la voie. La seule chose à faire, c'est de faire des secours. Ah, il faut que j'attende. Il faut que j'attende qu'il baisse le pont pour pouvoir le bloquer, non? Bon, on va essayer comme ça. Du coup. Oh, il y avait de l'argent dans les caisses. Je peux pas monter par là, moi. Non. Oh, bah dis donc. Heureusement que je regarde autour de moi, il y avait plein de trucs autour. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Tu crois pouvoir la baisser de là-bas? Ah bah oui. Vas-y. C'est bon. Nita. Bonne idée. Hop. Voilà. Bon, du coup. Oh, il y a un coffre là. Pour les offrandes. Maman disait que les disciples d'Odin les repoussaient. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Approchés hors de portée des voleurs. Timothy a l'air très vieux. Stupide. Quoi? De vénérer les dieux? Les dieux n'ont que faire des offrandes. Et les hommes ne devraient pas vénérer des monstres. Hey. Hop, je récupère ça. Ça sert à rien, je le sais. Mais bon, comme je reviendrai pas ici. Allez, monte, saute, fais quelque chose. Ah ouais, il fallait que je lave la caméra, ouais, d'accord. Merde. Père, voilà. Est-ce qu'on croisera des gens sur la route? Oui. Gentil. Est-ce qu'on va les tuer? Non. Oui. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Oui. Hmm. On va libérer la chaîne, voilà, si jamais je retournerai en bas un jour. Non, j'ai pas dit qu'il fallait descendre, j'ai dit qu'il fallait libérer la chaîne, c'est tout. Nous, on continue de monter. On va y arriver, on y est bientôt, et voilà. Oh, quelle vue! Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais... le symbole est brisé, là. Oui. J'avais pas remarqué. C'est toi qui les a coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Trop tard pour les regrets. Il y avait une barrière magique autour de la cabane. Et en fait, il y a un endroit où c'est coupé, c'est pour ça qu'ils ont réussi à le trouver, en fait. C'est pour ça que l'autre, là, l'étranger, il a réussi à... Oh, ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié de récupérer ma hache. Hop. Donc l'étranger, voilà, Odin et l'étranger, ils ont réussi à trouver Kratos parce que, du coup, la barrière magique autour de la cabane dans la forêt, elle avait été brisée. Je ne sais pas. À cause de Kratos, du coup, parce que la mère de Kratos, la femme de Kratos, pardon, elle voulait un arbre spécial pour son inhumation. Et du coup, donc elle voulait, voilà, un arbre spécial pour son bûcher, et l'arbre en question, c'était un arbre qui faisait partie d'un système de barrière. Ah. Bon, du coup, nous, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je fais des épisodes moins courts, mais voilà, je préfère faire des épisodes moins courts et plus intenses. Parce que c'est plus facile à regarder, plus digeste pour vous à regarder. Et puis 30 minutes, je trouve que c'est une durée moyenne de vidéo correcte, en fait. Donc, des épisodes... Bon, je dis pas que... il y aura que des épisodes de 30 minutes, parce que s'il y a un combat de boss et que ça dure un peu plus... forcément, il y aura des épisodes plus longs.
Mais dans la moyenne, je vais essayer de faire des 30 minutes. Voilà. Donc, eh bien, ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à bombarder la barre des pouces bleus. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, bah, moi, je vous retrouve la prochaine fois lors d'une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde et portez-vous bien!